Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve sur Red Dead Redemption épisode 2. Incroyable! On est donc reparti. Souvenez-vous, on avait été récupérer John qui était dans la merde, poursuivi par des loups. On a dû régler leur compte. Et pas qu'un peu, mon neveu, comme on dit dans le milieu. Nous sommes toujours dans la neige, c'est assez terrible. On n'a pas encore ouvert la carte, mais je pense que cet épisode, on va enfin découvrir un petit peu ce qu'il nous attend. Nous sommes sur PlayStation 4 Pro. Je vous conseille évidemment de mettre en 2K la vidéo pour en apprécier le plus possible ce que vous allez voir. Et on est d'ores et déjà reparti avec deux missions qui nous étaient accessibles. Vous êtes prêts? Je vais ouvrir le menu pour la première fois. J'ai peur d'être déçu. J'ai peur que limite il n'y ait pas de menu pour le moment. Ça risque d'être assez terrible. Regardez un peu l'effet de givre qui est fait quand il y a très peu de neige. C'est juste... En vrai, c'est sans sas. Mais je trouve ça fou. Je trouve ça ouf, vraiment. Donc on a une mission par ici et on va ouvrir la carte. Ok. On a la carte, c'est bon. J'avais peur de m'être trompé de touche. On va dézoomer et là on va se rendre compte de strictement rien du tout parce que on n'a pas avancé, mais on n'a aucune ampleur. On peut pas vraiment savoir. Hein. On peut pas vraiment savoir. Elle doit être vraiment gigantesque par contre sur le coup parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas d'hélicoptère. Forcément, ça n'existait pas en 1899. Il n'y a pas d'avion, il n'y a rien de tout cela. Donc pour faire d'un point à un autre, ça risque d'être assez terrible. Parlez avec vos camarades en maintenant L2 pour centrer la vue sur eux. Ok, mais jusqu'ici... Ah, saluer. D'accord. C'est parti. Okay. Nouvelle mission. We have a few cans of food and a rabbit. For what, 10, 12 people? When I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea. For 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found nothing. Enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving will be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Here, you take this. I can't use it, and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun. And we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. Oh, très intéressant. On va apprendre à chasser. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, on est parti suivre Charles. C'est aussi très important dans ce Red Dead Redemption 2. Il ne faut pas abîmer la peau. C'est pour ça qu'à mon avis, on a l'arc. Réglez votre allure sur celle d'un compagnon en maintenant ou tapotant en croix. Mais ça, c'est déjà fait lorsque vous chevauchez. Déjà fait, déjà fait. I just can't pull a bow right now. Sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find something to kill? It ain't no Driscoll? Huh. There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. Ok, on est donc parti. Il va m'apprendre à bander un arc. C'est pas évident, hein, les gars. Hein. Je sais pas si vous avez déjà fait du tir à l'arc. Mais franchement, sur le coup, c'est pas facile. C'est pas ce qu'on croit. C'est pas comme dans un jeu vidéo. Ça se fait pas en 2 minutes. Ok, on va découvrir peut-être d'autres endroits de la map. Ça serait plutôt cool. I wish I could have done more. I didn't mean it like that. Just... Je pense qu'on va bientôt quitter la neige. Si vous voulez mon avis, dans 2-3 missions, on est bon. Peut-être l'épisode 3.
J'aimerais que l'épisode 3... L'épisode 3, j'ai fait en sorte qu'il dure un petit 45 minutes. Ça serait pas mal. Ou peut-être même cet épisode, qui sait. Si vous êtes sage, oh là là. Ok, on s'est assez éloigné normalement. On devrait rencontrer des animaux sauvages. Je crois qu'il y a un truc comme plus de 200 espèces animalières dans le jeu. C'est vraiment énorme. Mais non, mais Débarre, c'est le mode cinématique. Je ne parlais pas, en fait. Je pensais qu'il y avait une cinématique. Je voulais vous laisser apprécier l'ambiance. Mais en fait, je suis juste resté appuyé sur la touche du milieu. Wouh! C'est rien. Excusez-moi. Lui qui a dit de pas tirer, sinon ça les effraie sur plusieurs kilomètres. Le plan a totalement échoué. Débarre, c'était juste le mode cinématique. Il n'y avait pas de cinématique, il n'y avait rien. Ok. On a trouvé le petit endroit de chasse. Nickel. Ah non, pas encore, hein. Ça doit être gigantesque. La map doit être gigantesque, vraiment. Faut savoir que quand vous l'achetez, moi j'ai eu l'édition spéciale, il y a la map dedans. Je l'ai même pas ouverte, j'ai pas envie de me spoiler. Moi je suis comme ça, j'aime bien découvrir une game. Ok, pas de bruit. On est à cheval quand même, hein. Ça va être difficile de pas faire de bruit. C'est compris, je pense. Va falloir les attacher, sinon ils peuvent se barrer. Et n'oubliez pas que quand notre cheval meurt, c'est terminé. On change de cheval, hein. Ok. Bon. Attendez. Arme rangée sur le cheval. On va prendre. Non, on va prendre ça. Par contre, ce que je comprends pas. Yes, c'est bon ça. C'est ça. Ok. Et inventaire sur le cheval. Bon, besoin de rien d'autre. C'est bon, on a pris l'arc. Vous ferez moins de bruit si vous êtes accroupi. Oh, il y a tellement de choses. C'est ce que je disais en live. Déjà en un ou deux épisodes. Ok, faut suivre les traces. C'est ça les traces. Hein. C'est trop, il y a trop de choses. Vous pouvez utiliser l'œil de lynx pour repérer les traces laissées par les animaux. D'accord. Ok, très bien. Et R1 suivre la piste. J'ai pas compris. Ah, maintenant faut que je... Ok, suivre la piste c'est automatique. J'ai juste à garder, me semble-t-il, le joystick avancé. Il y a tellement de choses que je ne sais pas vous, mais limite ça fait trop. C'est trop. C'est incroyable tout ce qu'il y a. Ok, toujours là-haut. Je sais même pas quel animal ça peut être. On le voit d'ici ou pas? Non, pas encore. Enfin, j'ai vraiment hâte qu'il neige plus. La neige, j'ai jamais été fan dans les jeux vidéo. Ok. Qu'est-ce que ça peut être? Ce serait bien que ça soit... Alors ça, c'est petit. Je dirais un petit lièvre. Tu vois? Ou un lapin. Je ne sais pas exactement. Est-ce qu'on peut... Ok, c'est par ici. Bah ouais, mais en fait, la piste brille. Mais ça sert à rien qu'elle brille. On est dans la neige, on voit strictement rien. Blanc sur blanc, les gars. Wait, look. Ok, j'ai... There they are. Quick, get that bow out, Arthur. Ok. Aim for their head or neck. We want a good, clean kill. You can pull back quite hard. Oh putain, stop. Ok. En fait, si tu gardes l'arc trop tendu, ça fait mal, forcément. Oh là là, c'est chaud. Étudier, c'est quoi ça? Ok, d'accord, je l'ai étudié. Toutes les découvertes que vous avez faites sont répertoriées dans l'encyclopédie. Très très bien. On va se lever. Allez. Non, non, s'il te plaît. Ah putain, j'ai une habilité à l'arc dégueulasse. Ah oui, ben oui, ben oui, mais oui, mais oui, mais oui. Ok, on va attendre un petit peu. Ah putain, ben, j'ai compris, c'est mon énergie. Ok. On va grailler quelque chose. Désolé les gars, j'avais pas d'énergie.
Oh, c'est terrible, hein. C'est terrible. Hop, ça rend de l'énergie, c'est pas mal. Voilà, graisse à calmement. Ok. Allez hop, je suis le boss. Essayons d'en avoir un autre. Attends, peut-être, non? Faudrait peut-être le ramener, je sais pas. Chasser une autre biche. Ok, il y a d'autres traces? Yes, je la vois. Très bien. Bon! Écoute-toi, je te laisse. On va aller prendre une autre biche là-haut. Ok. C'est pas mal. Il y en a plusieurs. On va essayer de se rapprocher un petit peu en amont. On va se lever. Well done. I think that's all we can carry. D'accord, on pourra pas en transporter plus, okay. Très bien. You pick up one, I'll get the other. Porte-en une. Okay. Ok, donc c'est parti. Ça, c'était bien évidemment le tuto pour la chasse. Sifflez votre cheval. Tellement stylé, votre cheval répondra à vos appels tant qu'il peut vous entendre. Continuez à renforcer le lien avec votre cheval pour augmenter la distance à laquelle il vous entend siffler. Putain, c'est énorme. C'est énorme. Ok, on peut courir. Désolé les gars, mais là, il y a tellement de trucs à regarder, à lire et tout. Approchez de votre cheval. Il arrive ou pas mon cheval là? Il est où là, frérot? Oh, il est là! J'arrive. J'arrive. Panique pas, frérot. On est là. C'est bon. Allez. Maintenez carré pour mettre la biche dessus. Très bien. Hop. Bon, la corde, c'est automatique. Oh là là, c'est tellement bien fait. C'est insane. C'est incroyable. C'est incroyable. Ok, c'est bon. Suivre Charles. On y va. Personne n'a récupéré les carcasses d'animaux. Ok, déposez-les pour contribuer au ravitaillement de la bande. Tellement de choses, les mecs. Tellement de choses. Ah, c'est à moi de diriger. I've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe our luck's finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and well, you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? Still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. J'y crois moyen leur plan, hein. Je pense que clairement ça va tomber à l'eau. Bon, quand il parle, je laisse parler tranquillement. We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. A lot of mouths to feed. And that girl from the ranch now, too. But not sure she'll be eating much. She has a wild look in her eye. You would, too. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. So it was O'Driscoll's you ran into there? Yeah. Last thing we was expecting. What is it with the O'Driscoll's? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Nah. I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Les gars, quand tu prends un petit peu de recul, tu te dis, putain, il y a deux mecs sur des chevaux avec à l'arrière une biche en train de marcher, discuter au calme. Putain, mais quelle époque ça devait être quand même. Quelle époque ça devait être. Le Far West, etc. etc. Watch out. Bear up ahead. Oh. Let's see if we can find another way. On va essayer de trouver un autre chemin. Très bien. Ok, on le voit l'autre. Ils doivent être vraiment hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Okay.
est parti. On va essayer de contourner calmement. Il y a moyen qu'il nous attaque, hein, en vrai. Hein. Cut up here, off the trail. L'ours a effrayé votre cheval. Ce dernier devient agité lorsqu'un prédateur se trouve à proximité. Maintenez L3 pour le calmer. Ok. Putain, c'est énorme. Ils ont pensé à trop. C'est trop. C'est trop, les gars. C'est trop. Vous êtes des fous. Vous avez pensé à trop de choses, vraiment. Rockstar, vous êtes des grands malades. On est sur PlayStation 4, les mecs. Qu'est-ce que ça va être sur PS5? On peut calmer son cheval. Tu perds ton chapeau. Tu dois le récupérer. Tu perds ton arme. Tu dois la récupérer. Si tu mets trop de temps avant de cuisiner ce que tu as chassé, apparemment ça périme. Ta barbe elle pousse en temps semi-réel. Donc si tu la rases ou que tu la rases trop, tu dois attendre qu'elle repousse. C'est incroyable, les gars. Vous avez été tellement loin, c'est fou. C'est fou. J'espère vraiment que le côté fun est resté. J'ai hâte de voir la suite. Voilà, parce que Red Dead 1, il y a tellement de choses à faire. Mais là aussi, hein, ça doit être ouf, hein, vraiment. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. You know, Dutch is different. Oh yes, Dutch is certainly different. Careful. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. How long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh. Hey there! 3 years, something like that. Since I was a boy. Oh, watch it. 20 years? Yeah. Taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. Huh. I'm sure. Dutch say. J'arrive même pas à me rendre compte des distances. On était si loin que ça, c'est incroyable. C'est un délire de fou. C'est un délire de fou. J'ai hâte d'avoir la carte ou d'en découvrir une bonne partie. How's that new horse? He's all right. He'll do for now. On y est bientôt, hein, je crois. Je reconnais. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown. Ah, c'est bon, je vois. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. Fuck me faster than a bull. Won't take nobody but him. Allez, lien avec le cheval renforcé niveau 2. Incroyable. J'ai pas envie de le perdre, ce cheval, ça me ferait chier. Vous pouvez maintenant cabrer avec ce cheval. Maintenez R1 et appuyez sur carré lorsque vous êtes immobile pour effectuer cette manœuvre. Ok. Attendez, on peut le faire. On peut cabrer. C'est trop, c'est trop. Ok, on va enlever la biche. Chaque chose en son temps. Ah là, regardez, elle a pris la neige, mais c'est incroyable. Allez voir Pearson. C'est parti. Regardez, tellement bien fait. Tu vois, c'est le genre de vidéo, tu te poses le soir sur ton mobile et tu regardes, juste tu kiffes. Tu t'endors, quitte à t'endormir, tu t'endors. Tu t'endors avec ma voix, tu t'endors avec le jeu. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yeah, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. Allez, on va apprendre à dépecer. Approchez-vous du cadavre de la biche. On m'a dit que c'était assez hardcore. Donc attention si vous êtes sensible, surtout
quand ça touche les animaux. Mais apparemment, tu loupes aucun putain de détail. Et effectivement, tu loupes aucun putain de détail. Mais bon, c'était cru, c'est comme ça que ça se passe. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah, we said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting, after all these years. Yeah, well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. Mission complete. C'est bon, ça c'est fait. Alerte, l'emplacement sauvegarde automatique contient déjà la sauvegarde automatique. Bah vas-y, remplace, tu vas pas me dire ça à chaque fois. Écraser les données, oui, j'ai pas joué entre temps. J'ai pas joué en cachette, mais enfin un peu de respect quand même. Ok, on est parti. Donc Pearson c'est fait. On va voir notre ami B, juste dans le petit chalet en face. Oh, t'as un beau petit fusil toi mon frère, hein. T'as un beau petit fusil. Oh, boys, because I thought I liked action. A couple of days on the lam, and you lot have all turned yellow. Apart from you, of course. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. I fell. But when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. A party? Probably. Uh-huh. That funny, huh? Sure. I don't feel like being laughed at by the likes of you two. Stop it! Now! You fools punching each other when Como Driscoll's needing punching hard. You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on. Are you sure about this, Dutch? Yes. Both been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. Colm always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Yeah! Ok, on est parti les gars. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Un braquage de train? On est quatre, c'est insane. C'est tellement bien fait, putain, mais c'est trop ouf! C'est, l'ambiance est incroyable, hein, vraiment. Hein. Putain, c'est un délire. Ça me rappelle vraiment le film un peu Les 8 salopards. Moi, je trouve ça fascinant cette époque, vraiment. Ok, donc là, on est en mode cinématique. Le temps d'arriver à destination. Donc, on est parti. On a ramené de la bouffe pour le camp. Ceux qui sont donc Monsieur Pearson, etc., etc. Ouais, c'est mon petit pote anglais qui fait toujours plaisir. Ils sont restés pour protéger. Ils sont quatre à être restés pour protéger le camp. Et là, on est combien? On est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est les 6. Les 6 salopards. Donc, on y va apparemment. Un train à choper. Ok, effectivement, il y a pas mal de traces. À droite et à gauche, regardez. Ok, donc c'est le camp des O'Driscoll, je crois. Je sais pas exactement comment ça se dit. Et j'essaye de tuer Colm. On essaye de tuer Colm parce qu'on est plusieurs maintenant. Il faut pas être égoïste. Ok, je passe en mode cinématique. Needs to be put to rest, one way or another. It will be. Some things I can forgive, others I can forget. What he did. Regardez les muscles des chevaux. Ça peut paraître banal, ça peut paraître ridicule, mais on est sur PS4, les gars.
Donc encore une fois, c'est la même question que je vous ai posée il y a 6-7 ans quand on était sur PS3 sur The Last of Us. Imaginez sur PS5, imaginez sur la prochaine console. Ça sera encore plus incroyable. Là, ils ont mis la barre haute et les développeurs de AAA sont en mode waouh. Il y a un nouveau standard qui s'est créé. Maintenant, tu dois pas chercher spécialement à faire mieux, mais tu dois faire aussi bien. C'est ça qui devient ouf. Et heureusement qu'il y a des studios comme Rockstar pour faire ça. Ok. Attendez ici. Il y a de la fumée. Il n'y a pas de fumée sans feu, donc il y a un camp. This is it. Are we goddamn ready? Ready, Dutch. Good. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. Okay. J'espère que mes chevaux risquent rien. Alors attendez. Attendez, parce que c'est tellement un délire que... Bon, ça, c'est la sacoche. J'ai bien compris. Là, je peux sortir une boussole étendue. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Lorsque le radar est éteint, vous pouvez appuyer sur flèche du bas pour l'afficher brièvement. D'accord. Ok. Bon, c'est pas grave. Ah non, très bien, j'ai sorti mon cahier. Je découvre encore les touches, c'est terrible. On va aller voir un petit peu comment il est foutu, ce campement. Je cherche... Les gars, c'est terrible parce que je cherche juste à sortir mon arme, en fait. Oh, file tes jumelles. Bah non, j'en ai. T'as de la chance. Je te les laisse. Here they are. That's definitely them. Home? I think so. Yeah, that's him. Ok, je peux diriger. On voit... Qu'est-ce qui se passe? On voit pas grand-chose hein, dans ces putains de jumelles. Hein. C'est pas du verre de qualité. Très bien, ensuite. Putain, il est... stylé le cheval, là. J'aime beaucoup. Who's he talking to? He don't seem very happy. No. Qu'est-ce qu'il lui fait, tout Jésus? They leaving? Seem to be. Should we go get them? No. Colin can wait. Best to get some of them out of there. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. All right. Let's go pay our old friends okay. A visit. C'est parti. Très bien, très bien. Ah, n'oublie pas de prendre le fusil sur ton cheval. Les armes qui n'ont pas été placées dans votre arsenal avant de mettre pied à terre resteront sur le cheval. Très bien. Hop, c'est parti. Bon. Fusil. On peut prendre l'arc. Très bien. Ça me paraît pas mal là. Hein. Ok, on y va. On y va, on y va, on y va. Seems easiest to take the same path down as Bill and Micah. Like you said, revenge is a luxury we can't afford. Yeah, just wasn't sure you agreed with me. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Everything else, including Colm. Can wait. Ah, mais on était super loin. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now, come on. Ok. On peut pas accélérer. La neige, c'est l'enfer, hein, vraiment. Bim. Ah non, j'étais américain. Pardon, excusez-moi. Fallait peut-être baisser un peu la caméra pour se rendre mieux compte. Ok, on contourne. Mais avec cette tempête, je pense pas qu'il puisse nous voir. Allez, on bombarde mon Dutch. Les gars, moi, ami ennemi, je tire sur tout ce qui bouge, les gars. J'en ai rien à foutre. Hein. Oh, je vais pas pouvoir vous reconnaître avec cette tempête de merde. Hein. En plus, on a tous à peu près le même style. Ça risque d'être compliqué, cette petite story, là.
It's steep here. Careful. La panthérette, fait attention. Très bien. Ça va. Si Dodge il se gamelle pas, normalement je devrais y arriver. Oh là 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 là, on est pas mal ça. C'est bon ça. On va faire un massacre hein, les gars. Je vous préviens, ça va partir en couille très très vite. Je pense que personne n'est prêt. Vous allez vous régaler. Maybe I should take the lead on this. They're gonna be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running. Hush. Let's just get down there first. Okay. Follow me. Let's head for that building in front. Peut-être une petite phase d'infiltration, je sais pas. Je vois pas comment. Je vois pas c'est quoi là le. Qu'est-ce qu'il veut faire exactement? Ça risque de dégoupiller très très rapidement. On sait pas combien ils sont. J'ai hâte de déverrouiller aussi mon truc qui me permet, vous savez, de voir les points faibles. Comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. Et de pouvoir coller des headshots en slow motion. Ça! C'est le kiff. On va s'accroupir. Maintenez L1. Ok. Ok. Aucun souci. Dites-vous que là, les approches en mode arme silencieuse, ça n'existe pas, forcément. Donc, soit on va briser des nuques. Ok. So, what are we doing, Dutch? I can take this if you want. Just make the call. You want to take the lead? Go. Très bien. Engagez, envoyez la bande. We don't have time to debate this. Allez, go. Okay, fine. You make the move. Je l'ai envoyé, hein. Ok. Je crois que je l'ai pas touché, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est ? Ok, ça c'est fait. Ok, ça c'est fait. Quelqu'un veut me tester ? Il n'y a pas de place pour nous tous ici. Ok. Ça c'est pas mal. Heureusement qu'il y a une visée auto. Oh. Ok, pardon. Je pensais que j'avais fait un truc incroyable. Ok. C'est bon. Ils sont où là? Ouais, j'y vais un petit peu à la bourre hein, les frères. Oh. Oh. Salaud. Allô, je ne sais pas viser. Ok. Touché. Ça passe à travers. Ça serait où? Putain, ça passe pas à travers, je crois. Allez. Putain, mais. Mec, t'es un monstre. Ok, putain, je croyais que c'était le boss final, quoi. On est pas mal. Il reste qui là dans cette histoire? Il reste lui, ça c'est fait. Aucun souci. Et il reste qui? Je crois qu'il en reste un là-dedans. Non, peut-être là-dedans. Yes. Vraiment les gars? Oh le headshot! La bonne giclée de sang qu'on aime! Fouillez les corps, récupérez tout ce que vous pouvez. Oh, toutes les croix, c'est les corps là? Vraiment les gars? Damn! Attends. Putain, faut tous les fouiller. Ok, ça c'est fait. Tabac, chiqué. Oh, stylé. Ok, il y a des dollars à ramasser, les gars. Oh, c'est insane tout ce qu'il y a. Balle pour carabine. Ça, c'est plutôt pas mal. Là, les gars, clairement, ça fait bien kiffer. Ok. Ceci aussi. Pas de soucis. Quoi? Heads up, boys. We got more coming in from the forest. Ok. Attendez. On va en repasser là. Ils sont où?
Je les vois pas. Oh! Ok. Lui, je le fous calmement. Pas de soucis. On va faire tout le tour. Bougez pas. Ok. Attendez. J'ai encore du mal avec les touches. Hein. Je suis vraiment désolé. Pour l'instant, je m'en sors pas comme un boss. Un mort. Ah, le mode sans froid, ça y est. Merde, c'était quoi? Ah non, faux. Ok. Ok, donc c'est ça le mode sans froid. Très bien. Très très bien. Ça touche pas ça quand même. Ça c'est fait. Ça c'est fait aussi. Aucun problème. Voilà. Faut vraiment s'y faire hein, aux touches. Hein. C'est vraiment. Ok, pas de soucis. Ok. Yes! Yes, yes, yes! Et ben voilà! On va fouiller tout ça! Il y a tellement de morts, c'est un délire! On va tout prendre! Yo les gars, salut, j'espère que vous allez bien! J'ai pas perdu mon chapeau, j'ai pas pris plus de dégâts que ça en vrai! Je pense qu'on s'en sort plutôt pas trop mal! On comprendra au fur et à mesure du temps! Parce que là, je vous avoue que. En deux épisodes, j'ai l'impression qu'on m'a bourré le crâne de choses à faire! Ou de possibilités! Ça me paraît tellement. C'est trop, c'est limite trop en vrai. Ok, maintenez L1. Afficher la roue des objets. Très bien. D'accord. Sélectionnez un fortifiant pour sang-froid. Et relâchez L1 pour l'utiliser. Ok. Encore un tuto qui vient d'être fait, mais on l'a fait tellement vite que je vais déjà oublier à quoi ça sert et est-ce qu'on va le faire. Bon! On va encore en fouiller quelques-uns. Ah, énergie vers le niveau 3. On y est presque, les gars. Il va falloir utiliser un peu de course pour courir toujours plus vite et toujours plus longtemps. Yo, les gars. Tellement de choses, tellement... Je peux pas tout fouiller, hein. C'est beaucoup trop long, les mecs. Hein. Ah, peut-être rentrer, non? Je sais pas. Ouais, on va rentrer, allez, hop. On a fouillé assez. Hein. Ah, là, c'est trop, les mecs. C'est beaucoup trop, les gars. Vous avez régalé. Vous avez régalé. On va rejoindre la bande. On va voir un petit peu ce qui se passe. C'est bon, j'arrive les frères. Re. Good work, boys. Now, let's tear this place apart. Bill, you go search that wagon there. Mike, search that building. Okay. Arthur, you take that building to the left. All right, man, quick. Ok. Énergie niveau 3, et ouais mon gars. Alors attendez, je sais même pas. Ok, c'est bon, j'ai trouvé la touche. On va tout fouiller. C'est dingue hein, tout ce qu'il y a à faire. Hein. T'as l'impression de... Ah, il y en a qui ont trouvé des choses intéressantes. Tabac à chiquer encore et encore. Ok, ça on peut pas prendre cette petite boîte. On a quoi là? Un coffre, c'est intéressant ça, non? Ok, on prend un bourbon. Très bon. Oh, tonique puissant. Ok, quand c'est jaune, c'est rare, je pense. Très très bien. Encore un petit bourbon. Ça fait plaisir. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? De la dynamite! Eh ouais, mon pote, pour un braquage, j'ai rien de mieux. Hey. This looks good. What do you think, Bill? Looks fine. Smells good. Come on. Did we get everything? Think so, boss. Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Oh, yeah. Interesting. This is something about the train they was gonna rob. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. Et c'est bon, on va pouvoir rentrer. Oh putain, j'ai souvenir qu'on était super loin en plus. Ça va être un sacré merdier cette histoire.
Good work, fellas. Not bad for some starving down and outs. They can pummel us hard as they like, but we will always get back up and fight. That's who we are. Outlaws for life, fellas. Oh, la loi jusqu'à la mort. Wait until we have John, Mac, Charles, and Sean back riding with us, and I believe, I know, they will all be back. Well, you didn't get combed, but this head'll hurt him a lot more than any bullet in the head. Especially when we rob this train, too. Yeah, I guess we'll see about that. Oh, indeed we will. You know, he'll come after us. Oh, of course he will, just like all the rest. But we're gonna stay a step ahead of them. Make sure we always know where they are before they know where we are. We allowed ourselves to get a step behind in Blackwater. That won't happen again. Ok. Allez, on va rentrer calmement, on va pouvoir save et s'arrêter là, quoi qu'il en soit. Ah d'accord, nickel. Bon, là tu me fais plaisir par contre. Hein. Là tu me fais plaisir. Quoi qu'il en soit, on aura fait deux missions, c'est plutôt pas trop mal en soi. J'ai hâte de quitter ce continent de neige, voilà, enfin cette partie de neige, parce que les parties enneigées, bon, je vous l'ai dit hein, déjà au début de l'épisode, mais c'est jamais ouf, un petit peu chiant à force. Mais quoi qu'il arrive, honnêtement, j'ai appris tellement de choses que j'ai déjà oublié la moitié. Et quand on va couper, j'en aurai encore oublié l'autre moitié. Vache. Poursuivez, capturez-le au lasso. Comment je fais? R1, L1, ok. Oh, c'est quoi ce délire? C'est trop. Ok. Et ouais mon gars. Oh putain, ben oui, mais forcément qui dit Far West dit oh, c'est terrible. Maintenez L2 et descendez de votre cheval. Appuyez sur rond près de lui pour le ligoter. Ok. Hop. Ok, appuyez sur rond. Oh, c'est compliqué. Tellement de choses, tellement de choses. Ok. Déjà, on va le fouiller. On va le fouiller calmement. Frérot, t'avais quoi? Voilà. 2 dollars, frérot, à l'époque, c'était énorme. Hein. Ok, viens avec moi, mon pote. Les personnes ligotées peuvent être transportées sur votre cheval. Hop, allez, tu viens avec nous. Hein. C'est un délire, hein. C'est un putain de délire, les mecs, le jeu. On est dans quoi, là? Où on est, là? Quoi, faut que je rentre tout seul? Ok, l'itinéraire le plus court pour votre destination est représenté par un trait jaune sur le radar. Très très bien. Le pauvre, il a pas de chance. Hein. On va lui mettre sa part, je pense, hein. Ça nous plaît? Ça commence à me plaire, cette histoire. Ok, on rentre direct à la maison, les gars. Il commence à faire nuit en plus. C'est vrai que la nuit avec la tempête, ça va être la première fois qu'on va voir. On va voir ça. Je vous en prie. Non, ça sert plus à rien. Ça sert plus à rien. Toi et ton chef, vous avez été beaucoup trop loin. Ce territoire est à moi maintenant. Tu nous serviras, cobaye. Tu nous serviras. Ok. Je sais pas où on est. Mais à mon avis, attendez, bougez pas, si j'appuie sur cette touche. Ah mais non, mais c'est la caméra, mais ouais, putain. Come on, just name your price. Just let me go, please. Please, I'll do anything. Are you trying to test me, is that it? Because I will break every bone in your body. I'm sorry, I'm sorry. Putain, quand t'es ligoté derrière un cheval et qu'un mec commence à te sortir ça, frère. Tu sais que tu vas passer un très mauvais moment. Okay. Ça fait pareil. That's two bones right there. Ça fait clairement pas rêver. Ok, on y est. On suit le chemin. Et c'est parti. Re. Je vous ai ramené. Oh, c'est mignon. Ils ont fait des petits feux de camp un peu partout comme ça. Here we are, you sack of shit. On va attacher le cheval. You to the boys.
Voilà. Ensuite, on va soulever notre ami. Qui clairement va prendre sa dose. Don't hurt me, please. Oh, don't worry. They're real nice. Huh. You found a little shit, did you? Yep. I got him. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh no, now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. We shoot fellas as need shooting, save fellas as need saving, and feed them as need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp! I ain't an O'Driscoll, mister! I hate that fella! Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Cole. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. Quelques jours plus tard. Tiens donc. It's been a bad few weeks. But Dutch being Dutch, he is busy making plans. And Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Well, I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You're still here, then? I owe you. Yeah. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur! I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but... Look at you. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch. Jackie. The boy wanted to see you, John. He's seen me now. Or what's left of me. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Yeah, come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we have's in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly, we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnet, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. All right, we're moving out. Follow me. Et vous verrez cette attaque de train. Dans le prochain épisode, j'espère que cet épisode bien long vous a plu. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure sur Red Dead Redemption 2. À bientôt tout le monde. Bisous, bisous. Ciao, ciao.